Oh, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo d'exhortation qui a pour thème peu d'ouvriers. Oui, je suis dans le livre de Luc 10, verset 2 qui dit: il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ici, la Bible nous parle de la moisson comme le monde. La moisson comme les gens qui ont besoin d'entendre le Seigneur. La moisson comme les lieux où les gens ont besoin d'entendre la vérité. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il y a assez de pasteurs, il y a assez de prophètes. Mais je veux vous dire que la moisson est grande. Pendant que tu dors dans ta maison, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Pendant que tu pleures, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Alors on va se laisser distraire par les distractions du monde? Non. On va se laisser distraire par les clashs? Non. On va avancer pour toucher le cœur. On n'a plus le temps d'écouter les gens qui parlent mal de nous. On n'a plus le temps d'écouter les gens qui nous rabaissent. On n'a plus le temps d'écouter les gens qui veulent nous voir mal. Mais nous allons continuer parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a beaucoup de gens qui se suicident. Il y a beaucoup de gens qui se tuent. Il y a beaucoup de gens qui se détruisent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Alors notre mission, c'est d'aller vers ces gens, leur apporter l'évangile. Notre mission, c'est d'aller dans les hôpitaux, dans les rues, dans les maisons de retraite, apporter l'espoir, apporter la parole de Dieu. La moisson est grande. Et Jésus a dit, priez en fait que le Père nous envoie des ouvriers. Beaucoup de chrétiens se contentent à vivre ce qu'ils vivent. Mais ils ne se contentent pas de vivre comme Dieu veut qu'ils vivent. Prêchez l'évangile. Parlez de Jésus autour de vous. Car la moisson est grande. Autour de vous, les gens souffrent. Autour de vous, les gens ont besoin de Jésus. Mais qu'est-ce que nous on fait? On se laisse faire dans les moqueries. On se laisse faire dans les critiques. On se laisse faire dans les mauvaises paroles. Ouvre tes yeux et sache que la moisson est grande. Et le Père a besoin de toi pour prêcher la bonne parole. Sois béni et écoute ceci. Dieu gagne toujours.